I think overall I'm gonna be myself. Actually, I'm gonna still be myself. I don't think I'm gonna change. You know, I'm just gonna help the new guys. You know, that's here, that's in coach system. I'm gonna help them try to adjust. You know, fast as possible. And I'm just like, basically, you just gotta take it up to another level. Basically, red hair. You know, it has something to do with Monaco. You know, but also I wanted to just try something different. You know, I get bored with my hair, so I want to try something different, but Monaco was the second reason. Important chez les sportifs de rechercher s'ils ont une pathologie cardiaque qui peut être méconnue ou qui peut être potentiellement gênée ou empêcher l'activité sportive. Là, chez les sportifs de haut niveau, on fait un électrocardiogramme de base, on a fait l'échographie cardiaque hier et là aujourd'hui je leur fais un test d'effort pour voir un peu la capacité d'effort, voir s'ils font des arythmies cardiaques à l'effort, ce qu'on redoute le plus chez les sportifs. Voir leur tension artérielle à l'effort. Allez, on va lui prendre un coup de tension, voir un peu où il en est. Allez! Johan? 2 minutes more. Allez, Let's go. Yes. Va être comme depuis plusieurs années extrêmement longue avec beaucoup de matchs, donc ces 6 petites semaines sont très importantes pour préparer les organismes à pouvoir encaisser le mieux possible la saison. Dans l'organisation, on va commencer progressivement, on va commencer lentement, on va faire des groupes différents si tout le monde n'est pas au même état de forme, mais oui, c'est une période qui est importante, donc il faut absolument qu'ils puissent avoir une base et qu'on continue à la développer pendant la préparation. Pour être performant, il faut avoir peu de masse grasse et être bien musclé. Et en fait, il faut vraiment contrôler, mesurer, si on veut que les joueurs ne prennent pas trop de masse grasse ou alors, au contraire, s'ils prennent du muscle, savoir où est localisée la masse musculaire.